Maria, alors aujourd'hui je suis super excitée car je viens de recevoir ma lampe qui est un véritable coup de cœur que j'ai eu sur ce modèle là, une lampe LED de table donc multifonction qui change de couleur. Voilà, donc elle est livrée comme ceci, voilà, dans un emballage vraiment nickel. Il est en parfait état et ça présente bien. Donc alors, je l'ouvre et on va voir ce que ça donne. Donc, premier temps, hop, ouverture, déballage, donc unboxing, comme on dit. Et ensuite, petit test pour voir si vraiment elle est aussi bien que dans l'offre promotionnelle. Donc, alors, on déballe, hop, je vous montre au fur et à mesure, le plus possible, pour que vous puissiez avoir une idée fidèle, fiable de ce que vous allez recevoir chez vous en la commandant. Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas tout faire tomber. On va enlever au fur et à mesure, donc ici, petite boîte, évidemment, il fallait s'en douter, avec le chargeur. La notice. Ah ouais, je fais durer le suspense, moi. Oh, c'est marrant, ça. C'est la première fois que je vois ça, pour une lampe. Il y a une chiffonnette. Yes. Ah, c'est cool, vous allez pouvoir l'entretenir, la bichonner. Et maintenant, alors, la lampe de l'air. La voici. Oh purée, non mais elle a l'air trop belle. Hop. Alors ici, ah ben si en fait c'est juste comme ça. Bon, je retire quand même l'emballage, vous pensez bien. Parce que ce serait un petit peu con, vous voyez, un unboxing, mais à moitié pas fini quoi. Hop. Oups. Si je la casse et je pleure. Oh. Hey. Regardez-moi ça. Alors c'est la marque Willit. Willit, ça me fait penser à un truc. C'est quoi Willit? C'est une marque aussi par chez nous. Mais c'est pas la même. Et ça va pas s'écrire comme ça. C'est pas un truc. Oh, on s'en fout, vous direz. C'est pas le propos. Elle est magnifique. J'espère qu'on la voit dans son intégralité. Je l'ai un petit peu pliée pour que ça puisse rentrer dans le cadre. Mais hop, je vais prendre comme ça. Elle est super flexible. Génial, quoi. Vous pouvez la mettre dans tous les sens, c'est excellent. Ah, et tout est nickel, les finitions sont magnifiques. Là, il y a le bouton donc on off, la gestion des couleurs. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est la brancher et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire perdre votre temps. Je fais au plus vite. Voilà, je branche. J'ai demandé à quelqu'un de brancher pour moi de l'autre côté, sur le secteur. Et voilà. Alors, go. On allume ici. Donc, alors, je vous explique en deux mots. De toute façon, c'est simple. Hein. Alors, au niveau des LED qui sont situés sur la lampe, là, hop, c'est tactile. Au niveau du soleil, ici, quand je m'appelle ça un soleil, c'est plutôt, ce sont plutôt des rayons. C'est on-off et... 1, 2, 3. Donc la lumière est blanche, froide, idéale, puisque c'est vraiment pour une lampe de bureau. Oh, il y a un petit fil ici. Ça n'a rien à voir, hein, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc 3 niveaux d'intensité lumineuse, donc plus ou moins efficiente selon l'utilité que vous en avez. Et donc pour allumer, la LED, oh la vache, non mais regardez-moi ça. Ah, moi c'est comme dans, pour moi, honnêtement. C'est la lampe de mes rêves, quoi. Elle gère, mais elle est design. C'est trop stylé. Et j'en reviens pas le prix. Je crois que c'est dans une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros, donc c'est rien, quoi. Hop. Hop, on change de couleur. Alors, on peut changer comme ça, par effleurement. Regardez, graduellement, donc. Si ça vous amuse. Ou alors, vous faites directement. Hop, vous appuyez. Sur la couleur que vous... Non mais elle est trop belle. En plus c'est top parce que selon la décoration que vous avez chez vous, dans la pièce où vous la posez, et bien vous gérez. Pardon. Hop. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez du bleu? Ok, il y a du bleu, dégradé de jaune, du vert, du rouge, du rose. C'est, elle est magnifique. Donc par contre on ne peut pas régler l'intensité au niveau de la basse. Au niveau de la couleur en fait, mais peu importe. Et vous avez vu en plus le liseré argenté, mais c'est merveilleusement bien fini. D'ailleurs je suis surprise, mais vraiment
pour ce prix-là, d'avoir un si bel objet. Regardez. Ah, c'est magnifique. Là, je crois que je pourrais peut-être vous en parler des heures, mais c'est... Elle est belle. Elle est juste magnifique. Voilà, donc je vous laisse apprécier, puis je vais vous prendre deux ou trois petites photos vite fait, mais vraiment la vidéo, je pense qu'elle sera plus parlante. Ah, il y a du mauve aussi, ben oui, forcément. Ah non, mais je suis amoureuse, je vais faire une réunion chez moi, et que pour que les gens puissent venir voir ma lampe. Sérieux, c'est génial. Enfin voilà, donc écoutez, je vais noter ce que j'en pense, et si en plus vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, je serai absolument ravie de vous répondre, car c'est un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt, ciao !